cette présentation du bureau de la CCE, Coalition des structures des enseignants communautaires du Congo, marque une nouvelle étape dans la lutte pour leur intégration à la fonction publique. Et pour le président de la coalition, les missions sont claires. Cette fois-ci, enfin, les communautaires sont organisés. Nous allons faire le travail nous-mêmes. Donc, nous demandons à tous les enseignants communautaires qui n'avaient pas peut-être l'information d'adhérer à la coalition parce que c'est l'interlocuteur principal du ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Nous allons maintenant faire le recensement de tous les enseignants communautaires sur le terrain afin d'avoir un fichier national que nous allons présenter au gouvernement de la République. Parce qu'il y a eu trop des enseignants oubliés. Et donc, dans ce recensement-là, nous allons catégoriser le fichier, c'est-à-dire les plus âgés, qualifiés des plus âgés, et surtout ceux qui sont sur le terrain. Donc, c'est un travail que nous allons faire d'ici là. Nous allons nous mettre au travail, on va travailler d'arrache-pied, en connivence avec les délégués départementaux. Peu après, Jean-Luc Moutou a reçu les élèves congolais de la première et deuxième promotion, ayant suivi leurs études secondaires au Nigeria. Après l'obtention du baccalauréat, ces élèves sollicitent le soutien du gouvernement pour leurs études supérieures. Nous souhaitons qu'ils puissent nous ouvrir des opportunités à l'étranger, puisque avec la langue anglaise ici au Congo, personnellement, je ne suis pas sûre si on pourra continuer les études ici au Congo, parce qu'ici au Congo, il n'y a pas tellement des universités qui enseignent en anglais et qui enseignent en anglais. Donc, je renvoie à ce besoin au ministre de l'Éducation, si peut-être il peut avoir de partenariats avec d'autres pays étrangers, de faire en sorte que nous puissions au moins bénéficier des bourses de l'étranger. Ça nous fera vraiment plaisir. Le ministre Jean-Luc Moutou a salué le retour de ses enfants au Congo. Il leur exhorte de poursuivre avec les études supérieures.